laisses l'ail. Tu laisses l'ail. Alors, on est en... Donc, là, on est revenu au point de départ. Ouais. Enfin, là où on s'est quitté. Et la fête nationale s'est bien passée. Ouais. 21 juillet, pour les Français qui ne le savent pas, c'est la fête nationale belge. Ouais. Et on a eu un nouveau roi en même temps. Ouais. C'est Philippe Ier. Ah. Ouais. Je lui cède, à la différence de son père, de ne pas avoir de problème de santé au niveau du col de l'utérus. Toujours, c'est qui se demande quoi. Je mettrai peut-être un lien pour la vidéo. Pour ouais. faire comprendre. Dans la description, ouais. Mais en général, tout belge qui se respecte doit connaître ça. Ouais, allez. Vas-y. Essaie de trouver un truc pour la maintenir. Qu'est-ce qu'il attend pour... Il y a un truc vraiment dégueu par ici. Allez. Mais là, ouais. Il y a un truc qui va pas. Ça y est, j'ai compris. Ça met du temps quand même. Hein. Ah. Allez, ma douce. Ok, bon. Vas-y. Ça va être mieux. Ok, c'est bon. Regarde. Oh. Ah, c'est un peu glauque ce truc. Quand même. Oh, ne pas trop bouger, ne pas oublier elle. Ouais. Que les conversations, ça peut... Foutu chasseur. Ouais. Ça fait. Ça aurait pu être nous. La vache. Tous ces gens ont vraiment pas eu de chance. Je et savais que j'aurais dû prendre une autre route avec le camion. Mauvaise. On est en vie. Tout juste. Fichons le camp d'ici. La phrase vache. Ouais, parce que c'est des cannibales, donc vache, viande. Tu vois un peu le dessin. Donc là, c'est une liste de trouvailles. 5 du 8 chaussures x 4, blousons, vêtements d'hiver x 6, pneus x 4. Enfin, je pense que je vais pas le lire parce que ça... Non, mais on voit bien que ça diminue, mais c'est bien organisé. Sauf que, attends, là, sauf que ils ont repris... Ah, le 8 du 8, peut-être précision importante. Rien, tout le monde est occupé à chercher la fille. Ellie ou quelqu'un d'autre? Ouais. C'est louche. C'est louche. Quelle fille? Enfin. Mm. Regardons si y a quand même rien. Le prochain truc c'est au-dessus, on s'en fout là. On va prendre ça. Ça aussi, c'est peut-être utile. Comment t'as su? Sur quoi? Pour l'initial. J'ai déjà été à leur place. Bon, ici, quelque part, je vais regarder. Non. Donc pour ceux qui recherchent les ouais, documents, ici il y a un manuel. Et là il y a un truc de... Je prends ça pour un oui. Bon, là, comme ça t'arrange. Mais en fait, moi, déjà pris. Que je l'ai déjà pris... C'est ici que ces connards dorment. Enfin, dormaient. Hop, il y a deux trucs. Une flèche. La carte pas oubliée en sortant. Mmh. Ouais, j'imagine bon. Que cet emplacement fera l'affaire. Pas tous. Là, ça va le faire. T'as quasiment à fond, toi, les tous les objets. Pas tout à fait, non. Oula! Quoi? Il y avait une image
de cheveux hyper blancs de chez. J'ai pas l'impression qu'ils étaient infectés. Ça va. Peu voilà. Importe, ne restons pas là. Attends, hop. Ça, on le monte. Bon, voilà le pont, c'est notre sortie. Ellie, ralentis, attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok. Là, en fait, les gens se demandent quoi. Ouais. Des personnes qui savent pas qu'on filme. Des putains avec certains, ouais. Hé, hey, je siffle. Je suis diabolique, méchant. Ah, super. Ouais, c'est là. Encore un truc qui va me rendre fou. Hop. Le docteur Daniel Starr rêve d'espace intersidéral en l'an 2186. L'humanité conquiert le système solaire. Les entraves de la relativité l'empêchent d'aller plus loin. Dans son centre de recherche de Ganymède, Daniela est sur le point de faire une découverte capitale qui permettra à l'humanité de répondre enfin à la question « Sommes-nous seuls ?» Et tu remarques, 2186, c'est la même époque que dans Mass Effect. Je viens de voir sur maintenant. C'est peut-être un clin d'œil. Eh, ça va. Il a pas l'air en forme, lui. Non, ça c'est sûr. Faudrait manger, penser à manger les légumes. Un peu plus équilibré, ouais. Attends, Et on l'a fait les blagues? Ah oui, non, c'est là. C'est après. Bon, ok. Oula, t'as fait la bousculer. Ouais, mais ça a fait bugger le machin. Ouais, bon là, normalement, il y a un objet. Non, qu'on dit qu'on montre, on montre. Bah oui, mais la dernière fois, on devait montrer, on n'a pas... Ah, mais c'est à une minute. Les gens vont pas comprendre spécifiquement ce qu'on veut. Donc, une minute, c'est pas énorme. Là, faut reprendre la BD. Ah bon, par contre, là, je la relis pas. Non, mais c'est juste pour prendre la BD. C'est une fois, après, les gens, si vous. Ah, super! Ils l'ont déjà lu. Encore un truc qui va rendre fou. L'info de la BD. Non, en fait, j'explique, je vais recommencer parce que normalement. Je sais pas si c'est parce que je l'ai bousculé, mais normalement, quand on approche de la bagnole. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis chasseurs ont fait ça? Je l'ai bousculé. Ça l'a pas pris. C'est tes potes les chasseurs qui ont fait ça? Très drôle. Non, je miserais plutôt sur l'armée. Ah bah, il fallait pas la bousculer. Pourquoi ils auraient tué tous ces gens? Pour ne pas avoir à les recueillir. Et ils les ont tués? Et les morts ne risquent pas d'être affectés. Les sacrifiés pourraient en sauver un grand nombre. Il y a des commentaires assez sympathiques dans les sur les murs. Ouais. Là, tourne à droite, donc ils vont dans tous les murs. Ouais. Il y a mort. You will die before we strike. Bon, ici on va pas se faire chier, on va les éviter. C'était quoi? Je sais pas. Ellie, baisse-toi. Ellie, vite! Il y en avait plein, et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. T'es assez nombreux, ils sont combien? Waouh! 3? Ouais. Arrête, tu me fais peur. Il faut juste attendre. Je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Je ne vais rien gagner à les attaquer, donc je vais les laisser passer. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être là. Donc ça, il faut deux petites minutes le temps qu'il passe. Qu'il se dise y a rien et c'est une vraie histoire là-bas.
Regarde si tu peux gaffe qu'il ne repère pas et c'est bon. Il n'y a rien ici. On continue. Et comment tu le sais à la fin si t'en pars après? Bah s'il ne me tire pas dessus, c'est qu'ils m'ont pas repéré. Ouais. Et on entend qu'ils disent qu'ils vont partir rechercher ceux qu'on a tués tout à l'heure. Fais chier, j'en ai ras le cul d'attendre. Allons voir ce qu'on fout de ces guignols. À chaque fois c'est pareil. Putain, si jamais ils nous cachent encore quelque chose... Ouais, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Ouais, je verrai. T'as vu la tête qui tire quand même? Attends. On sait qu'il est constipé. Ah, il est chiant, hein. Attends, il va peut-être... Il veut pas, il a honte. Il est... Ah là, il est un peu moins crispé. Quoique... Ouais. Il est timide. Il se cache, il aime pas voir là. Je crois qu'ils sont partis. Ces types me foutent les jetons. Est-ce que ces types sont partout dans la ville? Ouais, on dirait. Bon, c'est bon. Maintenant, il faut venir ici pour qu'elle parle. Faut lui laisser le temps. Attention à ne pas la toucher. Ouais, surtout pas la toucher, sinon c'est fini. Non, ça fait pas... Ça annule pas spécialement le truc, mais... Bah, enfin, c'est comme ça, hein, ça s'annule. Oui, c'est parce que j'ai trop traîné à aller la voir, hein, aussi. Pas impossible que ce soit causé ça simplement. Je vais pas risquer en la bousculant, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai trop traîné avant de dark voir. On peut grimper sur le bus mais d'abord là. Tu parles. Allez. Bon. Parfait. Et si on détendait un peu l'atmosphère? Prêt? Quel est le comble pour un facteur? Bah, c'est d'être timbré. C'est quoi ça? Un livre de blagues, sans mauvais jeu de mots, volume 2, de Will Livingston. Allez, on avance. Que dit un bol à une tasse quand ils sont tous les deux au bord d'un évier? On va boire la tasse. Et que répond la tasse? Ouais. Pas de bol. Je suis entrée dans une écurie et j'ai marché sur un pantalon. C'était une culotte de cheval. Oh. Tu sais ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. Oh. Oh non, c'est pas ça. C'est con. Attends, faut que je la relise. Tu sais ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. Oh, je l'ai raté. Est-ce que tu sais quelle est la principale cause de divorce au monde de nos jours? Le mariage. Le mariage. C'est nul. C'est toi qui es nul. Est-ce que tu la comprends au moins? Non. C'est pas grave. Ok, j'ai plus de blagues. Mais vraiment, les blagues, elles sont un peu... Elles sont un peu de niveau... Un niveau très bas, quand même. Au moins, peut-être que maintenant, elle va arrêter d'essayer de siffler. Parce que là, ça commence à me saouler. Non. Moi je ne pas. Ce pont est pas tout prêt. Mais on y arrivera. C'est vrai que elle ne comprend pas qu'elle ne. Ça fait bizarre de voir un poste de contrôle sans soldat. C'est à ça que ressemble la plupart des zones. Elle insiste, hein. Cet endroit est abandonné depuis un bout de temps. Pas aller bien parler. Donnez-nous nos rations. Pourquoi ils ont pas donné à manger? Des fois, ils n'en avaient plus. La plupart du temps, ils la gardaient pour eux. Ça, c'est jamais arrivé à Boston.
Crois-moi, ça arrivait tout le temps. Voilà. Et le petit document. Plus grande bande de bons à rien ayant jamais porté les armes a réussi à nous prendre Troy Hill. Ces enfoirés sont malins, ils nous ont volé un mortier, on n'avait aucune chance. Entre ça et le strip district, ils ont le contrôle de toute la rivière. La retraite n'a pas été facile, on a perdu la moitié de notre escouade. J'espère tout simplement que Jérémy et Pam sont toujours en vie. Ils sont restés bloqués de l'autre côté de la rivière. Voilà. Bon, je connais Jérémy, mais je connais pas de Pam. Jérémy, je vais m'attaquer à ta tête. Ah non, c'est Kevin. Kevin, je m'en fous à ta tête. Non, pour référence, c'est un humoriste belge et un de ses sketchs les plus connus, c'est avec un Kevin. Ouais, moi aussi. Ne fais pas et de je ne rigole pas. Zone, okay. C'est après, je pense. Ouais. Lâcher l'affaire. J'ai jamais vu quelqu'un de mort. On a buté tous les autres en 5 minutes, mais elle a mis 5 heures à la retrouver. Putain, il y a des fois c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est clair. On allait laisser tomber, mais là, elle a commencé à nous tirer dessus. C'est con, elle aurait pu filer. J'ai demandé à deux autres types de l'occuper. J'ai sorti mon fusil, j'ai aligné sa petite tête dans la ligne de mire et paf, fin de l'histoire. Merde. La fille qui parlait, c'était peut-être d'elle. Tu sais, pour en faire une des nôtres. Mm. Non, pas moyen. Cette fille, elle nous aurait tous tués dans notre sommeil. C'est une ville de quarantaine, ça, non? Sinon, c'est une ville de quarantaine abandonnée. Ouais, c'est un ancien truc de quarantaine. Hop, voilà. Que j'aille de l'autre côté. Voilà. Filé. On le voit à la couillon. Ouais. Ouais. Tant qu'elle longe de la bagnole et dès qu'il passe. Ouais, c'est l'occasion là. Merde, mais qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Ah mais... Il a frappé au lieu de l'attraper. Putain, il me semble... J'ai dû pas assez appuyer sur le triangle, conclusion il l'a frappé au lieu de l'attraper. Eh merde. Peut-être aussi qu'il s'est retourné à servissement, non? Attends, parce que là, ça va me foutre toute la zone en complète désorganisation, donc je préfère recommencer. Mmh. Ceux-là, ils vont partir dans tous les coins, un peu n'importe comment. Ah ouais, c'est pas facile à jouer. Ouais, celui-là, elle voulait pas lâcher l'affaire. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un de meurtre. On a buté tous les autres en 5 minutes, mais elle... On a mis 5 heures à la retrouver. Putain, il y a des fois c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est clair. On allait laisser tomber, mais là, elle a commencé à nous tirer dessus. C'est con, elle aurait pu filer. J'ai demandé à deux autres. Faut mieux recommencer 2 minutes et avoir. J'ai aligné sa petite tête dans la ligne de mire et paf, fin de l'histoire. On fait une petite connerie comme ça, vaut mieux. T'aurais peut-être dû la ramener. Tu sais, pour en faire une des nôtres. Surtout quand le checkpoint n'est pas très loin. Cette fille, elle nous aurait tous tués dans notre sommeil.
C'est là que je fais une autre connerie. Si tu l'as bien, tu l'as bien frappé. Frappé. Je martèle les boutons. Pour être bien sûr qu'il l'attrape. Oh. Parfait. Là, en plus, il se retourne pas. En plus, il se met bien au dos, au mur, comme ça. Ah, c'était fait. C'est un peu débile, quoi. Je crois qu'il y en a un qui va te rester à la poêle. Si, c'est au cas où il y en aurait un. On sait jamais, hein. Il prendra un couteau, il traverse la toile et vient l'attaquer par la toile plutôt que n'importe où ailleurs. Ouais, c'est un peu débile, ouais. Et pire, c'est qu'ils le font souvent, se mettre... À deux, ouais. Parce que là, il faudrait essayer de... On dirait que c'est fait exprès, ouais. Pour qu'on puisse les choper. Très bien. Le bluff. T'as attendu de le choper? Non, et surtout que là, pour une fois, il se met pas à deux. Il se met dans le bon sens pour bien se protéger. Mais... pas suffisant pour moi. Je viens juste de le voir, c'est parce que j'ai fait une connerie. Donc... c'est-à-dire que je vais pas vraiment fanfaronner quand même. Lancer l'ennemi. Je vais aussi prendre le truc ici parce qu'il est bien à l'extérieur. Il y a deux, hein. C'est un nouveau boss. Ils sont en train de discuter. Je sais pas, maintenant qu'on est assez pour garder toutes les sorties, dis qu'on peut agrandir le terrain. Voilà. Prendre truc, ouais. Qu'est-ce qu'on a vraiment gagné? Je le prends pas. Je sais pas, on trouvera peut-être de l'essence pour faire tourner plus de générateurs. J'aimerais bien taper un de ces vieux projecteurs pour mater des films, tu vois. C'est des foutaises, tout ça. C'est quoi? J'ai entendu cette histoire d'expansion bien trop souvent. Et à chaque fois qu'on a essayé, ça s'est soldé par des morts. Je vais mettre... peut-être que cette fois, ce sera différent. Garde donc tes rêves pour toi, gamin. Je crois que je vais l'utiliser, mais... tu vivras plus longtemps. En cas... ouf, en cas où... Tant que je réfléchisse, les machins à faire... ouais, on va faire comme ça. On va le faire avec l'arc. Parce que là, c'est peut-être pas idéal de commencer en plein milieu du couloir. Je risque fort de me taper quelqu'un dans le dos. Si j'essaie de me taper celui au bout, vaut mieux que je me mette ici. Le viser d'ici. Ouais, il est au bout. Je vais attendre qu'il se mette un peu de dos. Putain, faut le voir quand même. Ouais, 6 mètres 2, hein, quand même. Voilà. Merde, la flèche a cassé, super. Ça fait quand même du gars, c'est ça, le, c'est flèche, hein. Ouais. Ouais, c'est là. Et heureusement, si tu te rates... je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas le faire comme ça. Bah, c'est un peu discret, non? Ouais, non, pas l'arc à flèche. Le passer par là, je sais pas, j'ai une mauvaise intuition. Je préfère partir et passer par l'autre côté.
Et ça, je pense qu'il y a un peu mieux. Ça, ça va pas faire, ça va pas le faire, j'entends. T'as vu ça? Là-bas! T'as vu? Derrière. Non. Pourquoi j'ai vu des tirs? Je le vois. Allez! Attends. Y'a ce que lui? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu restes que lui. C'est mieux une batte de baseball. Plus précis. C'est plus précis une batte de baseball. Oh. Mauvaise idée. Oh putain! Bravo, je vais aller. Tout de suite. T'as fait flipper l'autre. C'est moi, oui, ce cas. Ah, ouais. Ah merde! Putain de merde! Il veut la petite fille, il voit la fille. Oh, c'est une fille, quand même. Bordel, il est forcément quelque part ici. Je vais aller jeter un œil ici. Toi, va voir par là-bas. Je le sens pas. Ils sont deux. Oh putain. Voilà, attends, attention, il va se barrer d'un truc. Parfait. Ah ben là, c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Ouais, carrément. Je mettre quand même un minimum de cachet. Y'a aucun problème. Plein milieu du plat, c'est pas l'idéal. Je suis sûr que l'autre ne nous aide pas, c'est pas loin. Voilà. Et... Oh putain. Il était au trop bout de la... C'est vraiment une chance, là. Il arrive. Non ouais. Non, même pas. Il sait même pas qu'il arrive. Qu'il est là. Passe au couloir, voilà, passe au couloir, voilà. Il arrive. Oh, tu peux le choper par l'arrière. Dispersez-vous. Ah, il est con celui-là. Ça, c'est vraiment de la chance. Non. C'est... Non, je veux dire que tu lâches. C'est une aptitude. C'est quand même surtout de la chance. C'est moi qui suis trop bon. Et prends la clé. La clé. Attends, je préfère bien être sûr de tout tuer. Couvre-moi. Il y a un pompe. C'est où tu es. Ouais. Oh merde. Ouais, c'est où tu es. Oh merde. Viens, bien. Oh merde. Et j'aurais pas dû dire. C'est une excellente façon de jouer. Non, je te dis, c'était la chance. C'était la chance. Pour une fois que ça se déroulait bien, je pouvais. Ouais. Ça y est, je vois le mec. Ah putain, ils sont trois. Je le sens pas. Alors ? Non, pas au même endroit. Et toi alors ? Allez, continue. Non mais il y en a deux qui viennent vers moi là. Non. Regarde, c'est pas. Non, ça va. Cool. Attends, hein. Va pas trop vite, gars. Casse-toi, l'autre. Voilà, parfait. Il est dos à dos à toi. Tu peux voir le... Écoute. Voilà, je me mets dans le cas d'escalier et je bute le temps d'escalier.
Ah, c'est bon, j'ai pas, tu fous à l'autre. Heureusement que elle, on la voit pas. Elle est fantôme. C'est ça quoi. Un fantôme très utile. Mais un fantôme. Oh merde. Ah, ah. Faut pas qu'il revienne, faut pas qu'il revienne. On va faire vite ça. C'est ça, et revient. Ça c'est problématique. En plus, il y a mis le top pour la. Elle a mis vachement de temps pour réagir. Il voyait le mec qui marche tranquillement, il voyait l'autre qui s'est étranglé. Tiens, y'a mon pote qui est en train de se faire étrangler. Moi, bah, je mange tranquillement. C'est un fou. Hop hop hop. Bon, là, tu arrives. Là, qui c'est bon, y'a plus personne, non? Tu peux récupérer la faille, non? Vu qu'il y a de la musique, c'est que. Ah ouais. Il y a encore du monde, mais à mon avis, ça doit être à l'étage. Ouais, je pense aussi. Ça doit être sûr à l'étage. Donc, on peut, je pense, faire le tour du bas. Il a pas oublié la feuille. Ah, mais je veux dire. Ah si, y'a un mec là, non? Non, c'est une plante. De loin, je crois que c'était un mec. Où est-ce que tu caches cette tête à la clé? Je pense bien que ce soit en haut, mais... Ah merde. Un chiffon. J'ai le choix entre un truc pour me soigner ou un cocktail. Un cocktail. Toi. Certains utiliseraient pour faire un truc pour me soigner, mais non. Si vraiment je dois me soigner, j'ai quand même de quoi. Bon, ça, si ça va, c'est ramassé. J'avais déjà pris ça. Ouais, mais je préfère vérifier maintenant que tout est vide. Ça me prendra une seconde. Et il y a la fiche là-bas, normalement. Ouais, c'est un truc en bon, on s'en fout. C'est bon. Regardez l'affiche. Tu peux toujours. Ouais, bon, regarde. Arrête-toi et regarde là. On avait eu la même idée, mais je pense que c'est brouillon d'avis. Non, c'est pas ça, ça doit être le dernier. Magnifique. Fille Joël. Truc des traîtres, ouais, c'est ça. Voilà le sort réservé aux traîtres, aider les traîtres et passibles de mort. Le bataillon de Pittsburgh est ici pour vous protéger. Nous travaillons activement les restaurations de l'ordre dans la zone de quarantaine. Vu ce qu'il en reste. C'est la honte. Vive le militaire. Pas qu'on a un discours un peu trop informel. Qu'est-ce que ça donnerait si on avait un discours un peu plus formel? Ouais, vaut mieux pas. Non.
En bas, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Sous l'escalier, je l'ai pris, non? Je crois pas. Ça m'a pas fait gaffe. L'escalier, j'ai pas fait gaffe. Je vais aller voir, je l'ai pas pris. Là, t'as pris, non? Oui, ça, je sais. Colonel Mackenzie, ouais. Vite, Joël. ZK d'Atlanta, monsieur. Zone de quarantaine, Atlanta. Cette petite révolution dure depuis 14 mois maintenant. C'est devenu un bain de sang. Nous avons perdu trop d'hommes. Et à dire vrai, nous aurons bientôt perdu toute la zone. Si nous attendons encore, nous allons tous nous faire lyncher. Nous attendons vos ordres, Capitaine Mastros. Et il se sont fait lâcher. Bah, juste très légèrement. Moi, du coup, je me souviens que c'est un truc qui allait se faire. Je l'ai peut-être pris, non? Avant d'aller dehors. Ah oui, ça je m'en fais, tu as pris, ouais. Tu as pris, mais là, tu te dis votre surprise. Attends, ben on va vérifier. On verse le mur, c'est fait. Stop. Ici. Fiche panneau, c'est fait. Dentif, c'est fait aussi. Sous l'escalier, c'est fait. Les locaux au fond, c'est fait. Maintenant, il faut aller tuer ceux d'en haut. Parfait, on y va alors. Ça va s'envenimer. Merde. Poussière. J'en ai entendu un. Ouais, là-haut, ouais, je le vois. Je l'ai vu aussi, mais... Oula. Te monte pas, d'être sympa. Donc il est descendu dans les escaliers, je pense que... Ça devrait être bon. Ouais, non. C'est pas bon du tout. Et dans Ellie, elle se promène tranquillement. C'est ça, c'est... Je me répète, mais c'est vraiment chiant, ça. Cette attitude de toujours se promener comme si de rien n'était. C'était quoi? C'était moi. Putain. Tu l'as eu? Ouais. Il y en a combien, t'as une idée? Allez, viens, montre-toi. Et merde! Merde. Ah, il m'a... Te voilà! Ah, voilà. Moi non plus. Je vois ta vie qui descend très rapidement. On m'a voir lui. Ok. Je crève de chaud moi, en plus. Tu m'étonnes. Oula, allez voir là-bas. L'avantage c'est que j'ai toutes mes flèches maintenant. On sait que c'est pas trop bon de passer par cette entrée là. Par contre il faut ramasser tout de nouveau. Ouais. Ça. Normalement tout...
dire c'est pas grave si on le ramasse pas. Mais non, que tout le monde sait où ils sont. Où ils sont, où ils sont hein. Je veux dire, c'est limite si je perds du temps en avant. Bah oui, parce que voilà. On les a déjà vu. Où ils sont, bah ils sont à la vidéo avant, la minute avant. Sauf si je meurs encore 10 fois et qu'on doit faire une accélération. Ouais, mais tu feras pas les premières minutes de... C'est par là que tu feras l'accélération à partir de... Si tu fais une accélération, tu fais à partir de l'arbre. De la... C'est ce qu'il y avait là. Ouais, mais il y avait pas, moi je fais un chiffon ici. Par là. C'est par ici que je suis passé, je suis plus. Ouais. C'est de l'autre côté. Non, c'était pas celui-là, c'était un autre. Hein. C'était l'autre, c'est pas celui-là que je suis passé. Je vois pas. Non. C'était celui-là. Bah, normalement, on va sortir à côté de la porte des Turins. Enfin, pas très loin. Ouh là. C'est pas bon non plus. Allez. J'ai pas envie d'avancer hein, bande de... Putain. Non. Et... J'ai voulu essayer de les attirer, mais... Non, pas... Pas compris. Trop réagi. Pas compris. Ranger ton truc, non? Merde. Ah merde, en voilà un autre. Et je sais pas repasser de l'autre côté. Ah, il y en a un autre, ok, j'espère. On est bien entouré en fait. On avait un autre là, non? J'ai pas rien vu. Attends, c'est lui qui a fait le tour? Je ne vois pas de deuxième. Dans le secteur droit, non. Je pense que c'est lui qui a foncé à une de ses vitesses. C'est pas téléporté non plus. Hein. Ils sont là-bas, ils sont deux. Ouais. Hey mec, tu m'entends? Oh. Il y en est obligé de tuer? Ouais. Ah ouais, si on veut avoir le truc, ça va être chiant ça. Allez, grouille-toi de venir ici, crétin. Je veux qu'on puisse te tuer. Et c'est surtout c'est lui est tout seul. Donc si... Et il est armé jusqu'aux dents aussi. Ouais, mais bon. Attention. Il est surtout tout seul, donc... Merde. Fais chier. Je vais le ramasser. Coup de bruit dans la gueule, c'est bon.
Je le sentais, j'étais trop sur sa gauche. Je vais pas dire que c'était inévitable que je me fasse repérer, mais... Et après ces trois-là, c'est fini, non? Il n'y en a plus? Ah, après ça, dans l'autre, il est là-bas au bout, donc normalement, lui, je peux me le faire aussi tout seul. Attends. Il arrive, dépêche. Je Il arrive. Merde. Ah, c'est bon. Voilà. Et ça va aller. Et le dernier. Faut se concentrer. Enfin, se rassurer. Qu'est-ce que... Ah, j'ai vu quelque chose. Merde. Je pense que c'est le dernier, mais... C'est le mieux armé en plus, non? Non, je crois que c'est l'autre qui était le mieux armé, non? Il a c'est pas raison, il a un fusil à pompe. Non, c'est un fusil de chasse, mais... Je veux dire, s'il me repère et qu'il arrive à me tirer dessus, ça fait autant, aussi mal qu'un fusil de chasse. C'est d'être plus ou moins couvert... Te retourne pas... Et on martèle pour le réussir à l'attraper, et c'est fini. Ah c'est bon, on l'a. Et comme il a fait un mouvement un peu brusque... C'était bien trop juste. Tu l'as dit. Cap sur l'infini et au-delà. Ça va, on n'a pas trop chier. Excuse-moi. Non, ça va, ouais. On l'a recommencé deux fois. Enfin, une fois en plus qu'il n'était pas obligé, c'était juste par prudence. La survie. Il faudrait aller à l'endroit où on peut parler à Ellie. Ok. On peut être n'importe où du moment qu'on reste dans le bâtiment. Et au deuxième étage. Ah ouais, tu vois, je crois que ça sonne. C'est pour ça que j'ai fait, normalement on n'est pas obligé de se taper et tout. Ah, pas mal, tu demandes de faire là, il y en a beaucoup. J'aimerais avoir plus de place dans mon sac à dos. Tous les carrés qu'il y a. Oh. Tu veux dire quand je fuis pas les chasseurs ou les infectés? Rien d'autre, hein, non? Ouais, je fuis tout le temps. Non, je crois pas. Ellie. Enfin, voir Ellie. J'ai ramassé le truc dans le. Sur son livre. Elle sort pas son livre. Non, mais. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Il est sale sa tenue. Elle est vachement sale sa tenue. Ouais. Elle est sale. Surtout que quand prêt pour la blague? Ouais, surtout quand tu la mets à la. Alors on dit que le comble pour un boulanger, c'est de se faire mener à la. Baguette. Ouais, je vois. Alors, quel est le plat préféré des cannibales? C'est le croque-monsieur. Oh mince, ça m'a donné faim. Selon toi, quel est le cocktail le plus explosif? Et ça te fait rire. Le Molotov. Rigole. J'aime pas me faire passer un savon, surtout sous la douche. Ça, il est pas drôle. C'est le croque-monsieur. Ok, je la connaissais pas, c'est bien. Bon, j'ai fini. Pour l'instant. Voilà. Monsieur, je crois que monsieur est vraiment pas mal. Je crois. Encore une bande, et après c'est tout, je crois. Y'a rien, non. Le prochain, c'est plus loin. Beaucoup plus loin même. Et c'est quand qu'on commencera à lui changer la tenue à Ellie? Attends. 10 minutes, ça risque de réinitialiser le truc, donc je vais plutôt attendre qu'il y ait une minute. Par contre, je précise, c'est que des fois, on peut avoir l'impression que je suis en décalage par rapport à la vidéo.
Mais moi je joue sur ma PS et mon écran directement, tandis que l'enregistrement se fait sur le PC et Tamrik aussi le voit via le PC, donc par moment j'ai l'impression d'être omniscient et de voir le truc 3 secondes à l'avance. Ouais. En fait c'est juste que je vois vraiment le truc 3 secondes avant. Merde. Tu ne peux pas être vraiment parfait. Cinglé. Quand ils sont désespérés, les gens y a sont un mec capables qui de pire. Et les gens qui se sont rebellés. Il s'est pendu au mauvais. C'est ce contre qui on se bat maintenant. C'est bien possible. Ça veut pas dire qu'il sera pas, qu'il est pas mort, mais il a même plus de temps pour mourir. Lequel? La tête en bas. La tête en haut. C'est une demi-heure au lieu de quelques secondes. La tête en bas, ouais, ça doit être une mort le plus. Les plus longues. Les plus longues et les plus douloureuses. C'est comme si tu t'étouffes, non? Avec tout le sang qui te monte à la tête. Ouais. Allons voir où ça mène. Tu meurs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. J'ai dit ça, mais je pense qu'on a entendu en décalé une ou deux fois. Fais attention en sautant. Oui, de temps en temps, mais c'est pas gênant, on va dire. Ouais, mais je préfère le dire. Ça peut. C'est obligé qu'on le remarque quand même, non? Bah, ouais. Surtout quand je lis un document qui n'est même pas encore affiché. Oui. Ça fait arriver assez souvent. Baisse-toi, baisse-toi! On a combien de temps là? Là, on est à 54 minutes. Mène-toi! On va peut-être l'arrêter. Bon, on finit juste. L'endroit où il est avant d'aller à l'hôtel. Avant de c'est surtout que. Je crois pas qu'il y a un point de sauvegarde donc. Ah ouais. Comme tu peux. Voilà tu le point. Tu veux qu'on. On est un peu plus près. Ok. Ouais, je crois. Il faut continuer. Ah, plus tard. Ouais, bye.